Donc du côté de moi, c'est Sandy qui se présente au ramassage. Malheureusement, c'est un peu court. Du coup, c'est Julia qui va s'y présenter. Voilà, elle s'en est saisie de ce ballon. On attaque tranquillement du côté de Mach avec Maïval dans cette dernière qui va attaquer sur la droite et qui essaie de remettre sur la gauche. C'est bien fait, malheureusement elle n'a pas tant chuté Julien, elle est obligée de rentrer à la maison. Voilà, Mach qui rentre tout au bout du terrain pour construire leur attaque avec Julia, Sandy Maïva. Agathe, Sandy, ça joue calmement, ça fait une fois le temps, ça libère la balle derrière avec Maïva sur la gauche qui va chercher une solution mais qui est bien prise par la défense de Chambly. On est en face du côté de Chambly, hein, on laisse pas beaucoup d'espace à l'équipe de Vache. Voilà, Vache encore une fois qui rentre tout au fond du terrain. Qui attaque doucement mais sûrement hein, du côté de Mach, hein, on essaie de faire avancer la défense de Chambly pour pouvoir trouver des opportunités dans la défense avec Amaï. Voilà qui a réussi à se filer et à tirer, voilà c'est bien fait ça. Et ça permet d'inscrire le premier but, ils ont été patients Mach, hein, ils ont mis 2 minutes à inscrire leur but, mais ils l'ont inscrit, ils n'ont pas perdu le ballon. On passe à l'autre sur le tout Chambly. Voilà pour Chambly, on passe les petits jeux sur la petite qui sera sur le ballon. Elle est efficace. Voilà donc la première ligne de match qui sort, elle vient de sortir d'alignement et elle s'est remise, c'est interdit maintenant. Une fois qu'on est en place, on ne doit pas sortir d'alignement. C'est parti, ça joue, 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 ça joue. Voilà, du côté de Mach, c'est Sandy qui se présente au lancer, voilà, c'est lancé bien fait sur la première ligne, ça attaque direct avec Mach pour essayer de trouver une seule shoot, mais oui, Julien arrive là, en bas, elle se shoot de plus en pour la formation de Mach. C'est le moment pour Chambly de pouvoir rentrer au score. La Mach encore une fois sanctionnée sur sa ligne de touche, hein, elle n'arrive pas à rester bien droite sur la première ligne, elle se traverse et du coup elle est sanctionnée. Et puis avec les trois pour Chambly. Les trois points ont été effectués du côté de Chambly, mes amis. Intervention de Chambly. Et voilà, un travers offensif de la part de la numéro 1 de Chambly qui vient toucher la défense, la joueuse en défense, c'est interdit pour la sécurité du score. Du coup c'est sanctionné d'une pénalité numéro 2 en la faveur de la formation de Mach. Ah, la P2 elle est jouée indirectement, du coup on se positionne aux 15 mètres. Et non, on décide pas de solution, on décide de la rentrée, de sécuriser son ballon. Hein. On sait quelle importance de plus à 1 pour l'instant en faveur de Mach. Ça leur permet de prendre le plus de là avec ce ballon si elles arrivent à concrétiser. Et voilà, ça attaque sur la droite avec Maïva qui essaye de passer. Pas de défense du côté de Chambly, on l'empêche de shooter. Si, elle arrive à shooter, mais malheureusement, c'était dessus. Et là, c'est Chambly qui a récupéré le ballon, qui a plongé la contre-attaque. Et ça retourne le coup de la main de Chambly qui va prendre la contre-attaque. On trouve Victor et Victor et Victor qui a mis sur la gauche. Et c'était bien défendu de la part de Vache qui
supporters à la maison. Avec Julie. Julie qui attend son supporter. On dit, on dit ici. On dit ici, Mélanie. Mélanie est beau. Et égalisation de Chambly. Et voilà du coup, deux buts partout dans ce match qui s'annonce intense et fumé. Voilà, la deuxième ligne de Chambly qui est pénalisée, elle se place une fois en touche et elle sort et elle se remet en place. Et quand elle a dit, une fois qu'on est placé, on n'a plus le droit de sortir de l'alignement. Du coup, c'est une pénalité 3 points pour la formation de match. Match qui attaque avec Agathe, Agathe sur la droite qui va s'exprimer de solution, mais la défense de Chambly bien présente qui l'empêche de faire sa passe. Du coup, on va rentrer à la maison, on va sécuriser son action. On sait que chaque balle est importante. On voit que Mach à chaque fois il temporise bien le début, il essaie de faire avancer la défense de Chambly. Et ça attaque avec Maïva sur la droite qui se heurte à la défense de Chambly. Et du coup on rentre le ballon. Hop là, petit peu de temps. Elle était précise donc on s'en est saisi. 3 minutes 42 de jeu dans cette. Dans cette première période, et là je suis toujours en possession ce ballon. On temporise, là ça attaque par centre avec Julien qui libère derrière sur Aïva qui a fait avancer la défense qui va shooter derrière. Hop là, gauche là pour tour et c'est récupéré par Chambly. C'était bien défendu, mais enfin, dommage qu'il est obligé d'aller. On rentre à la maison pour regarder la question de Thomas. Et là c'est Mach qui va se présenter au lancer. Santi qui a lancé ce ballon pour la formation machoise. Elle est bloquée par Julien. On est bleu, on sécurise le ballon. 2 minutes 20 dans cette première période et c'est Mach qui est au ramassage, qui a ramassé. Voilà, donc là le rythme explique qu'il a laissé l'avantage. Il y a bien un but sur la balle, mais il laisse l'avantage parce que la 6 bleue de Chambly était en faute. Et voilà, une machin, en plus, le ballon sur la gauche qui libère sur Kitty derrière, qui veut libérer derrière, voilà, on se prend bien défendu. Une passe un peu devant qui tombe au sol et qui va être ramassée par Mach, par Petri. 1 minute 30 de jeu. Mach qui est toujours mené dans le petit but, là, 3 buts à 2 enfin, dans la formation camblisienne. Ça attaque tranquillement avec Julien sur la gauche qui essaie de passer. Ouais, elle a réussi à passer son vis-à-vis et à pouvoir chuter. Et voilà, petite la validée, 3 buts à 3, égalité. On va faire un petit coup sur ce champ. Il reste 1 minute de jeu. Le temps pour Chambly d'être efficace et de pouvoir rentrer en avantage dans cette première période. Voilà, c'est sûr, mais ça joue là. Mach qui a mis un coup de force en face. Annalisa Capucci. Malheureusement, ça se le fait. Et 45 secondes de jeu, là c'est Mach qui va lancer la contre-attaque sur la droite avec Idri. Mais Anna est bien présente là sur la défense. Alors la numéro 1.
30 secondes de jeu restantes dans cette première période et un score de parité, 3 buts à but. 3. Kumash qui a l'occasion de passer devant là dans cette première mi-temps. Avec Julien plein centre qui libère sur la droite, c'est bien fait sur Kissi qui soupe et qui marque 4-3. Il restera 20 secondes de jeu pour son but. On va refaire le score. Sans doute. Et cette première mi-temps sur un score de parité. On va faire encore. C'est parti. Les Il reste 10 secondes de jeu. Et ce sont vite, malheureusement, là, on ne sait pas du ballon. Je pense que ça va être compliqué du coup. Ça va être juste. Et voilà, c'est la fin de cette première mi-temps. Et match qui a... C'est parti, on s'est changé, c'est pas d'entendre à ça. Et c'est chose de tête par Victoria. Voilà, on prend le temps de terminer de faire et... 3 matchs réglementaires, 4 ici, 4 ici, la droite, on glisse en shoot, et oui, les consignes d'Arnaud ont dû être appliquées, c'est 4 ici, qui vient pour eux permettre à son équipe de recoller au score 4 buts partout. Et voilà, là du côté de match, on est sanctionné, on n'est pas en place au moment du coup de siffler, du coup on vient se mettre rapidement, mais c'est trop tard. Du coup, pénalité 3 pour le match. Voilà, ça joue du côté de match avec Sandy qui redonne au centre sur Kitri, qui vient sortir à la défense, qui va libérer sur la gauche, mais elle était vigilante la défense, donc elle vient de arriver. Alors que là, la numéro 5... On va plus arrêter les chronos là, pour remettre le terrain. Voilà, c'est joué du côté de match, mais on va prendre un peu d'air. On va remonter là-haut à la maison. Voilà, le côté de match, toujours la même stratégie. On va faire avancer la défense doucement et on va mettre les gardes juste à la fin. Voilà, avec qui trie, mais la défense de Chambly est bien présente. Et un match qui apprécie ce ballon, pas un peu apprécié la balle au sol. Le changement, on s'est ramassé, pas Chambly. Et oui, il s'est remonté par le cap ici. Et là, il essaie de protéger sa balle. Donc, il va en décider de rentrer à la maison de côté Chambly pour pouvoir garder cette position. Hop, il a battu son bassin. Voilà, c'était bleu, avancé pour les amis, une chose faite par la Liga. C'est bien. Les gars qui protègent ce ballon, on retrouve Capucci. Capucci, Victoria, c'est le coéquipier, Victoria. Voilà. Les amis ont une photo possible. On va faire un match sur le canal de Victoria. On va regarder un peu. Match. Et voilà, match en position de ce ballon, du coup, après cette faute, ce travail offensif. Et c'est Kitri là qui va chercher Julien sur la droite, qui s'est fait oublier, qui va shooter. Oh là là, mais c'est le serpent, il est allé tout seul. Donc, comment nous avons besoin de discuter pour se mettre d'accord. Donc, il faut dégager la zone de ramassage. Là, si la joueuse de match s'arrête, c'est que le joueur de Chambly devant il avance pas et du coup la joueuse de match ne peut pas avancer. Donc, c'est cette faute là qui est sanctionnée.
Et on repartira donc sur une pénalité 3 en faveur de Mash. Et Mash qui décide tout de suite de prendre l'air sur son attaque. On a un score de parité, 4 buts à 4, on sait que chaque ballon est assez important. Et là c'est Julien Dutchel qui va déborder sur la gauche, qui va essayer de passer et passe. Et il va prendre le but, le 5e but de son équipe qui lui permet de prendre l'avantage. 5 buts à 4. Donc, on va tous lancer sans but. Rien n'est encore joué, rien n'est terminé. Tout peut encore se passer. On va chercher deuxième ligne. Tout ce qui n'est pas à droite, du coup, on part sur un changement de lanceur et c'est Agathe du côté de Mash qui va se présenter au lanceur. Voilà, c'est lancé pour Mash et en hauteur, mais c'est un petit peu par Mash. Voilà, Mash qui vient d'un petit but, Eka. Ce ballon pour faire le break. On va voir s'ils vont réussir à en faire de ce ballon avec Titri, Titri derrière qui va chercher Maïva sur la droite. Maïva qui est par contre bien sur terre, la défense de Chambly. Mash qui remonte encore une fois à ce haut, pour prendre la hauteur. Pour prendre la hauteur sur son attaque. Il va construire tout doucement sur l'attaque et il ne va pas se précipiter. Hein. Ils ont le score, ils savent que ça va aller important. Et voilà, et ben il va sur la gauche là qui est bien isolé par la défense avec passe un peu derrière. Et la numéro 1 de Chambly qui est sanctionné sur sa trajectoire défensive. Et s'il est trop en avance, du coup on partira sur. Je crois qu'on partira sur une pénalité 3 pour Mash. On a deux passes et encore une fois Mash qui décide de prendre l'air. Il prend son temps et ils ont le score. Un petit peu d'avance, 4 minutes 20 de jeu encore à jouer dans cette seconde période. Avec Julia qui accélère mais malheureusement qui vient cercer à la défense des Bleus. Et du coup, elle est sanctionnée. Et oui, donc on partira sur une pénalité pour la faveur de Chambly pour une faute offensive. Afin de permettre à Chambly de retrouver le score, de subir l'écart, 4 minutes de jeu. Capucine, Capucine Victoria. Victoria qui est le joueur Capucine. Oh, on passe la balle qui passe juste derrière le cerceau. Voilà, là c'est jaune. Intervention des arbitres. Intervention des arbitres. Et là on vient de tomber sur le ramassage, du coup on est sanctionné d'une pénalité 3. On partira donc sur une pénalité numéro 3. On va plus vite sur la voie de la part de Mash. Donc ce sera pénalité 3 pour Chambly. Il reste 3 minutes et 15 secondes. Toujours en petit peu de charge. Et terminé. Allez Lisa. On a Lisa qui trouve l'histoire. Lisa qui prend en tranchée. Il est possible qu'il y ait un ramassage de la barre de Mash. On repartira avec le PLF3 pour Chambly. 2 minutes et 50 secondes de jeu. Toujours avec le PLF3. Victoria. Victoria. Entre toutes les secondes, ah, je dis, il s'est un petit peu fait ouvrir, mais la défense de la chose, on va rester là, retour de cours, on va faire la ligne. Et là, le tirage, on shoot. Et c'est une égalisation pour la fin de Mélanie. 5 ou partout, 2 minutes de 20 secondes de jeu. Tout va refaire. Voilà, c'est super, ça joue, c'est là.
de ta part, mais la touchez pas droite. Du coup, on partira sur un changement de lanceur. Et là, c'est Chambly qui va avoir l'occasion de récupérer ce ballon. Alors qu'on est sur un score de parité, on sait qu'elle est importante cette touche. Il faut la récupérer les deux équipes. Donc voilà, on rentre, on va là. On va chercher une petite dialogue. Mélanie, il va prendre encore Arnaud, on va donner le premier cours de la maison. C'est parti entre Victoria. Victoria Julie. 6-12-5, Chambly qui reprend la blocage à une minute de la fin du temps réglementaire. Ce match qui tient tout son suspense. Le jeu est très engagé. C'est Agathe là qui se présente au lancer pour la force sur le match. Et donc là, c'est le joueur de couloir sur la priorité. Voilà, elle est ramassée directement. 55 secondes de jeu. Et là, match qui a une balle importante dans les mains parce qu'ils sont menés d'un petit but. Hein, et si elle avait espéré de revenir au score, elle va falloir lâcher. Mais là, il défend bien présente la part de Chambly qui l'empêche d'aller au but. Allez, il reste 13 secondes de jeu, c'est lui partout. Temps mort, Chambly qui a gagné le match. Voilà, c'est lancé, c'est récupéré par Chambly, c'est du côté bleu. Et c'est ramassé pour Victoria. 20 secondes de jeu. C'est qu'elle est importante là, cette balle du côté de Chambly. Mais si vous avez vu, s'il vous plaît,